décidé de prendre en charge la déco du salon. Elle a envie que mon salon change d'allure, donc je lui laisse carte blanche. Enfin, pas tout, parce qu'il ne faut pas abuser quand même. Donc, Océane, qui est ici, va nous faire une petite démonstration de tout ce qu'elle a acheté, parce qu'en plus, c'est elle qui a acheté. Eh oui, j'ai une fille en or. Je vous laisse visionner. Alors voilà, j'ai le droit à des beaux fauteuils pour mes petites clientes. Un meuble que j'affectionne particulièrement. Océane qui fait son petit bordel. Alors voyez un petit peu toutes les choses qu'elle m'a pris. Si c'est pas une fille en or, ça, franchement. Un petit oreiller, des étagères. Congé, pinceaux, des petites décos. C'est pas génial ça? J'adore l'encens, ça sent trop bon. Fruit de la passion. Que penses-tu de cette rénovation de l'extrême? Alors explique-nous. Une télévision? Non, c'est des étagères, donc avec des dimensions différentes. Petite plante. J'ai insisté sur le pot un peu rosé parce qu'Océane, si je l'écoutais, elle me faisait des pots or. Elle a quand même réussi à prendre un miroir avec des contours or. On me voit. Oh, Océane! Des clous pour... je vous explique. Te clouer le bec. Je vous explique. Pour mes diplômes. Ensuite, on a les petites bougies. Qui sent trop bon. Santé. Santé. Ça sent bon. Ensuite, ah oui, ça c'est moi qui l'ai trouvé, ça ne dit pas le contraire. Et j'adore, parce que je me considère presque comme une artiste. Tadam ! Magnifique, magnifique. Elle va venir ici, comme ceci. Voilà, entourée de mes beaux diplômes. Si c'est pas de la beauté ça. Et mon petit coussin rose. Trop de rose. Bon, faut enlever l'étiquette aussi, hein. Et puis mes petits coussins, mes petits fauteuils que j'adore. Je me demande qui a eu l'initiative à la con de faire ça. Ouais, franchement, ça, tu fais chier. C'est là qu'on se rend compte qu'on a beaucoup de couleurs quand même.